Bonjour à tous, abonnez-vous, lâchez un like, salut. Aujourd'hui, vidéo particulièrement innovante, puisque la majorité d'entre vous risque de ne pas du tout comprendre de quoi on va parler. Ah. En effet, nous allons déguster un délicieux gloobibulga. Mais oui, je pars de l'aéroseau, vous ne savez pas ce que c'est que le gloobibulga? Voilà ce que c'est que le gloobibulga. D'abord, du chocolat en poudre, de la confiture de fraises, de la banane écrasée, de la moutarde, et de la saucisse de Toulouse. Et puisque les choses partagées font du bien, je ne suis pas venu tout seul. Et oui, mesdames et messieurs, pour vous ce soir... mon poteau Nono. Bonjour à tous. Nono, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah. Bon, sans plus tarder, passons à la recette. Bon, passons à la recette. Premier ingrédient, hein, mon cher Nono. Casimir. C'est mauvais. C'est très mauvais. Non, non, le pauvre Casimir. Comme ça ici. Premier ingrédient. On va couper de la banane. On va couper de la bonne banane. Donnez-moi ça. Un couteau, s'il vous plaît. Non, arrête. Stop. Recommence. Non. Dans la recette, il est stipulé que la banane doit être écrasée. C'est parti. Non, 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 non. Où sont tes couteaux? Arrête, arrête. Arrête, mec. Stop. Cherchez un couteau. Ils sont où, tes couteaux? Bon, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà l'aspect de base. Banane dans saladier. À deux, on est plus fort. Ah, ah putain. Merde. Faut que ça soit bien écrasé, Nono. Putain, c'est sexuel. J'ai toujours aimé regarder les gens en écrasant de la banane. Ouais. Excellent, c'est en train de se passer. Stop. C'est pas mal, hein. En vrai, ça donne envie. Next boy. Non. Ok, prochain ingrédient. Nono. Oh merde, putain. Alors ça c'est l'ingrédient le plus redouté. Moutarde extra forte. Sans placement de produit. Amora. Acheter Amora, c'est vraiment bon. Et hop, 10 000 dollars. Putain, c'est insane, mec. J'ai toujours aimé les boules de Noé. Quoi? Mais arrête, t'es dérangeant. Alors, ce que tu sais pas, Noé. Ce que je sais pas. Nono. Nono. C'est que cette moutarde est extrêmement forte. Si, je le sais. On ajoute donc la moutarde à la banane. Putain, je sais, c'est... on va gerber, gros. Attendez. On dirait de la mayo. On a créé la mayo. Regardez. T'aurais pas ça bon? Ouais. Ils vont vomir. Merde. Non, Casimir. Pas grave. Oh, je t'aime. Est-ce qu'on en rajouterait pas un petit peu? De la moutarde? Ouais. Non. Ouais. Non, pas avec les toits. Le con. Oh putain, tu vas regretter. Ah, oh, il va regretter. Oh, regardez-le. Il regrette déjà. Ah, lève-toi les mains. Ah. Bon, prochain ingrédient et pas des moindres, mesdames et messieurs. Nono, tu es gênant. Nesquik, chocolat râpé pour les intimes. Nono, arrête ça, s'il te plaît. Merde. Putain. Putain. Voilà, une fois de plus, du chocolat râpé, grosse part de chocolat râpé. Arrête Nono, ça, non arrête, arrête, arrête Nono. Nono, tu arrêtes maintenant. Mesdames et messieurs, le chocolat en poudre, bonne dose. Avec ça, on va adorer. Ah, ça va donner une couleur caca. Non, 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 mec. Arrête, arrête, après, il y en aura trop. Parce que là, comparé à ce qu'on a mis comme banane et tout. Oh, putain, ça pue. Oh, non, arrête, avec Casimir, c'est pas vrai, Nono, hein. Putain. Je suis de rush. Bon, il va pas vous mentir. Ça a l'air carrément appétissant. Heureusement qu'ils ont pas encore créé le goût du luxe. Racine. Bon, mesdames et messieurs,
petit aperçu de la situation. Voilà, donc ça a l'air absolument dégueulasse. Bon, là, on va passer dans la partie compliquée. Parce qu'on va rajouter ni plus ni moins que... les saucissons, mesdames et messieurs. Couchons-nous. Parce que je le vaux bien. Et hop là, 10 000 dollars de plus. Alors oui... il m'a déjà coupé la rondelle. Excuse... ne l'écoutez pas. T'as pas une planche à découper? Non, on va découper avec les doigts, ce sera beaucoup plus sain. Vous inquiétez pas, on s'est lavé les mains avant de faire la... C'est faux. C'est complètement faux. Maman, si tu m'écoutes, je me suis lavé les mains. Je crois que ce sera la recette la plus sexuelle qu'on ait pu faire. Après, vous allez me dire, c'est la seule recette qu'on a fait. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, on va pouvoir passer au dernier ingrédient avant la dégustation. Et ni plus ni moins que... la confiture Andros. Important, confiture de fraises. Une cuillère et on va rajouter... alors attendez, on va vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Voilà, donc on a le cornichon, la banane écrasée. Quel cornichon ? Le saucisson, pardon. La banane écrasée, la moutarde et du Nesquik. Voilà, donc ça a l'air délicieux pour l'instant. Le monde retient son souffle. Bon. Déjà, je crois qu'en rien manger la confiture de fraises, ça doit te faire vomir. Je pense que manger un pot, c'est inhumain. Ok, 20 000 likes et on mange un pot de confiture dans la prochaine vidéo. Non, arrête, stop, putain. Faites jamais la cuisine avec nos doigts. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Ça a l'air carrément dégueulasse. C'est des petits grumeaux. C'est un mélange de marron. Entièrement constitué de grumeaux et... en fait, je pense que ça passe mal à la vidéo, mais il y a un mélange, on a rajouté la confiture là. Et puis je vous dis même pas l'odeur que ça a, c'est terrible. On va devoir boire un petit verre de ça. Ou une grande cuillère, je sais pas, Nono. Petit verre ou grande cuillère? Je dirais 3 grandes cuillères chacun. 3 grandes cuillères chacun, ouh. Nono relève le défi. Nono relève le défi, Nono. Le problème c'est qu'on en aura pas assez. Nono dit 3 grandes cuillères chacun de... Gloobibulga. Ok, bon ben, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Oh, ça a l'air affreux. Bon, voici venu le moment tant attendu. Nono a dit 3 cuillères chacun. Un jour Nono a dit 3 cuillères chacun. 3 cuillères chacun. Et tu ne feras plus qu'un. Et la lumière fut. Je vous avoue que rien qu'à l'odeur là, on est à moitié en train de vomir. Donc je me demande si on va pas aller chercher un... bon, on va essayer de pas vomir parce qu'on a rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version améliorée du Gloobibulga qui existe. Et si on atteint les 30 000 pouces bleus sur cette vidéo, on vous fait la version upgrade qui, il faut le savoir, contient des anchois et de la crème chantilly en plus. A vous de voir, partagez la vidéo, lâchez des likes. La dégustation. Il y a pas d'embrouille, hein. Là, y a vraiment ce que vous avez vu qu'on a préparé. C'est vraiment du Gloobibulga. Oh merde. Alors une belle cuillère, Nono, s'il te plaît. J'aurais pas dû faire ça. Une bonne grosse cuillère. Ah non, il y a un peu plus là, Nono, tu déconnes ou quoi là? Fais un effort, c'est pour les abonnés, merde. Prends le bout de saucisson, Non, tu prends le bout de saucisson. Ok, alors faut bien être sûr qu'il y a du saucisson. Regardez. Non, t'es con. Regardez, vous avez vu non, ça? Il est con. Vous avez vu le saucisson? Il est pas bien. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, le Gloobibulga. 2, 3. Alors je tiens à dire quelque chose. Ah, c'est pas si mauvais. Putain, c'est carrément bon. Mesdames et messieurs, c'est un peu trop sucré et salé en même temps. Ah, non, c'est en fait, je crois que c'est vraiment... clairement dégueulasse. En fait, c'est clairement la consistance. Ah putain, je pleure. Il pleure. Non, parce que... attends, parce que je n'arrive pas à avaler le bout de saucisson. En fait, c'est clairement la consistance qui est hardcore. Mais après le goût, franchement, ça va. C'est en fait, c'est la moutarde qui vient casser un peu le délire. Ça s'est lié des yeux.
Oui, putain, moi aussi. On a dit 3. On n'a pas dit 3. Qui a dit 3 ? Si, si, on a dit 3. Qui a dit 3 ? Et puis, halte gaspillage, hein. Oh non. Donc, on va finir ce plat. Franchement, j'aime bien, hein. Franchement, c'est... il y a un petit goût. Non, mais moi, j'ai... Non, c'est dégueulasse. Ah. Mais non, tu peux pas faire... Ah, putain, la moutarde ! Ah ! Ah, le saucisson ! Ah, je pleure. En plus, si vous saviez où est-ce qu'on a acheté la confiture de frais et le rosette, vous ferez moins les malins. Bon, bah, il faut manger la troisième. Allez, c'est parti. Dernière des cuillères. 1, 2, 3.